Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de cacahuètes, de clubs de golf et de la Lune. Si, je vous jure, il y a un rapport! C'est la mission Apollo 14. Mais avant d'en dire plus, générique! La mission Apollo 14, c'est une mission habitée de la NASA, ayant pour objectif la Lune. Elle s'est déroulée en 1971, environ 10 mois après la mission Apollo 13 et tous ses problèmes. Ok, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Nous sommes 10 ans après le premier vol d'Alan Shepard, premier américain dans l'espace. Il fait partie de la mission, d'ailleurs, c'est le commandant de bord. Et il est accompagné de Stuart Roosa et d'Edgar Mitchell. Alors que Roosa reste en orbite autour de la Lune, Shepard et Mitchell alunissent le 5 février 1971. Ils vont rester environ 33 heures sur la Lune et effectuer deux sorties extravéhiculaires qui vont durer au total 9 heures et 25 minutes. La première sortie, elle consiste surtout à installer tout le matériel qui sera utile pour la deuxième sortie. Le but de cette sortie, c'est de récolter des roches pas loin du cône cratère, à environ 1300 mètres du lieu d'atterrissage. Mais le dénivelé est important, il gagne 1 mètre de hauteur tous les 5 mètres. Et le chariot qui leur sert à transporter tous les outils et instruments scientifiques est encombrant et difficile à transporter. Ils se fatiguent donc beaucoup plus vite que prévu, ils doivent faire des pauses. Et la grande question c'est, vont-ils réussir à atteindre le bord du cratère? Les réserves en oxygène sont limitées et le port de la combinaison est très fatigant. Impossible de rester trop longtemps dehors. Ils décident tout de même de conserver le chariot et de continuer vers le rebord du cratère. Au bout de quelques minutes, Shepard pense qu'ils sont arrivés et qu'ils seront bientôt au bord du cratère. Mitchell, lui, il a plutôt l'impression qu'ils sont allés trop au sud et qu'ils devraient aller plus vers le nord. Il commence à être vraiment désorienté. Ça fait déjà plusieurs heures que les astronautes sont sortis. Il va falloir commencer à récolter des échantillons et faire demi-tour pour rejoindre le module. Tant pis pour le rebord du cratère. Et pourtant, plus tard, on s'est rendu compte qu'ils étaient seulement à 30 mètres du bord du cratère. Nos deux astronautes retournent donc vers le module lunaire. Et c'est maintenant qu'on va parler de golf. À bord du module lunaire, ils ont emporté un club de golf et des balles. Alan Shepard va avoir la classe ultime. Il va jouer au golf sur la Lune. Il a lancé 3 balles. La première, surtout de la poussière. La deuxième, c'était pas trop mal. Et la troisième est partie beaucoup plus loin que prévu. Le club et les balles sont restés sur la Lune. Si un jour vous partez en vacances là-bas, vous pourrez toujours jouer au golf. C'est pas les trous qui manquent, hein. Donc voilà. La classe. Je vous ai promis de vous parler de cacahuètes. Alors, pour l'histoire qui va suivre, je n'ai pas trouvé de source officielle. La NASA n'en fait mention nulle part. Mais je trouvais que c'était une histoire quand même plutôt chouette et je voulais vous en parler. Mais à prendre avec des pincettes, donc. Alan Shepard était un habitué d'un restaurant de Los Angeles, chez Jay. C'est un restaurant fréquenté par de nombreuses personnalités, des acteurs, des politiciens, des astronautes. Il paraît que dans ce restaurant, les cacahuètes sont gratuites et délicieusement grillées. Le propriétaire du restaurant, Jay Fiandella, ayant appris qu'un club de golf serait emmené sur la Lune, aurait demandé à Shepard d'emmener une de ses cacahuètes dans l'espace. Shepard aurait donc pris une cacahuète, l'aurait mise dans sa poche et l'aurait emmenée avec lui sur la Lune. Il serait revenu au restaurant quelques mois plus tard avec la fameuse cacahuète et un certificat d'authenticité comme quoi la cacahuète était bien allée sur la Lune. Il paraît que Jay était très fier de sa cacahuète de l'espace. On peut le comprendre, il l'a montré à tout le monde. Jusqu'au jour où Steve McQueen lui a fait une petite blague et a fait semblant de la manger tout entière devant lui. Je vous raconte pas la frayeur. Depuis ce jour, il a décidé de la garder dans un coffre-fort bien en sécurité. Défi relevé. J'ai réussi à vous parler de cacahuètes, de golf et de la Lune. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @spacetomalis. C'est censé s'afficher quelque part là en bas. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo dans la description.
Si vous remarquez des erreurs, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous! Je me demande ce qu'elle est devenue, cette cacahuète.